Petit rappel, les pronoms personnels que nous allons utiliser dans cette leçon, c'est me, o, a, ou bien i, pek, pu, wop. Voilà, pek, pu, wop. Donc c'est je, tu, il, nous, vous, ils. Donc ça, ce sont les pronoms personnels que nous allons utiliser dans le cadre de cette leçon. Nego. Nego, ça veut dire partie. Nego. Le verbe partir. Nego. 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 Ne quoi. Voilà. Ne quoi, ça veut dire entrer ou bien monter. Ne quoi, par exemple, c'est monter en haut. Bon, c'est ce que ça veut dire, mais c'est tout simplement monter. Mais en langue, on dit ne quoi. Ne quoi. Ne quoi tcha. Ne quoi tcha toi, par exemple. Me quoi tcha toi. Je suis monté dans la voiture. Me quoi tcha toi. Ou bien quoi tcha toi. Monte dans la voiture. Quoi tcha toi. Monte dans la voiture. Quoi tcha toi. Quoi tcha toi. Monte dans la voiture. Poche monte dans la voiture, on part. Poche toi, Poro, monte dans la voiture, on part. Poche toi, Poro. Nego waka, ne quoi waka plutôt. Il y a d'abord nego waka. Donc, comment on dit le verbe partir? Nego waka, ça veut dire partir en voyage. Ne quoi waka, ça veut dire rentrer du voyage. Ne quoi waka. O quoi waka ne. O quoi waka ne. Est-ce que tu es rentré du voyage? Me la ne vous. Me la ne vous. Donc, vous, troisième personne du pluriel. Me la ne vous.